Is Nordine Bari too dangerous for Nanito Tonai, Ray? There are many rumors spreading that this fight will be the gateway of Nanito to fight again the Japanese monster. But who is Ubari? Can he match the power of the Japanese monster so that we can say that he can win versus the Filipino Flash? However, there is a problem for Ubari because the burning desire of the Filipino Flash is blazing. The Filipino Flash wants to redeem himself after he lost to the Japanese monster. It can be recalled that Ubari defeated the brother of the Japanese pride by unanimous decision. Is this the sign that the Filipino Flash will win? Perhaps the Japanese superstar will tremble in terror the moment he see the Filipino Flash, as the traumatic experience he got to him is unforgettable. Let us hear in his own words. Il nous a permis de pouvoir défendre ma ceinture de champion du monde WBC avec mon staff, MTK, avec mon frère, on est en train de voir les possibilités de défendre cette ceinture en France. On l'a toujours rêvé. Aujourd'hui, on a cette opportunité. On va dire qu'il y a un mal d'un côté, mais et en même temps, il y a un bien, car aujourd'hui, je peux défendre cette ceinture devant mon public. J'ai prévenu mon manager, MTK Global. Aujourd'hui, c'est eux qui représentent mes intérêts. Et pas comme j'ai pu le voir sur certains réseaux, genre Mabibool ou Ringstar. Ringstar, déjà aujourd'hui, ça existe plus, mais Jérôme Abitboul n'est plus mon promoteur, ça fait un Welcome to our daily dose of boxing videos. Mellow. Ubari, in his own words. Ubari Nordine Ubari is a French professional boxer of Moroccan descent who has held the WBC bantamweight title since 2019. As an amateur, he won a bronze medal in the light flyweight division at the 2007 World Championships. Ubari turned pro in 2014. In January 2019, he won his first world title by defeating former amateur rival Rauschi Warren via unanimous decision for the WBC bantamweight title. Let us hear in his own words. Ubari. Je pense que dans les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui s'enflamment. Mais la WBC reste la numéro 1 car elle a toujours été correcte. Et là aujourd'hui, elle le prouve encore. Moi, je remercie. Donc aujourd'hui, le président de la WBC, malgré toutes les pressions extérieures, il est resté juste. Je suis le champion et la ceinture elle se gagne sur le ring. Pas gagner la ceinture au dehors du ring. Et aujourd'hui j'ai le statut INRICS. Je ne suis pas le premier. Kasama ko po si Teofimo Lopez, ang contender ni Vasyl Lomachenko. Abangan po niyo ang laban niya. Basta Sports, Jay Mello. Basta Sports, Jay Mello. Thank you.